va poser à la pêche et je crois que j'ai déjà une touche. Donc on va voir ça. Ouais, et ça tire bien. Oh putain. Fallait que ça m'arrive. Oh, fait chier. Alors comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une touche en direct. Ah bah le poisson il est parti maintenant. Parce que j'étais bien emmêlé. Non ça va, il est encore là, je sais pas ce que c'est. Oh. Et voilà mon premier silure. C'est peut-être un petit. Vite que je prenne mes gants, faut vite que je prenne mes gants, vite. Ah, je suis fier. Le premier silure de la journée. Je comprends pourquoi il faut des gants, ça arrache. Et voilà, un petit silure, on va le mesurer et tout. J'ai pas le droit de le remettre à l'eau. Et voilà, un beau petit silure. On se retrouve pour la mesure. Alors, je sais pas si là vous allez voir comme moi. Et nous allons pouvoir le mesurer. C'est un très beau, il est très très beau, même s'il est petit. Oh, c'est impossible, tu peux pas faire 18 cm. Ah bah oui, mais si je suis pas dans les bons trucs. Une belle bête de 50 cm. Voilà. Et magique, hop là. Donc je peux pas le relâcher, tant pis. Ciao. La touche se fait assistante, donc je pense que j'ai quelque chose au bout. Je vais desserrer le frein, je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, ce sera dans le boutillier. Ah putain, décroché. Ouais. Je sais pas ce que c'était. Mais ça donnait des petits à-coups sur la canne. Ça m'a tout bouffé. Ah putain, le con. On se revoit tout à l'heure. Ça m'a de nouveau tout bouffé. Faut que je trouve un système. C'est de nouveau moi, j'ai l'air d'avoir un beau poisson au bout là. Putain, ouais. Avoir besoin de l'épuisette. Mettre là. Pichon. Il est nerveux ce bâtard, je sais pas ce que c'est. Putain, il m'entraîne. Un autre silure. Un peu plus gros. Ouais. 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 Putain. Waouh, celui-là. Faut que je le pèse celui-là. On va mettre le gant. Oh ça. Ouh, comme il est bien plein. Ouh, celui-là il est beau. Ah bah par contre, je lui ai fait prendre cher. Ouh, regardez-moi ce bestiau là. Regardez-moi ce bestiau. Ah, 10 cm de plus. On va le peser, le petit bestiau, quand même. Parce que je suis sûr qu'il fait dans les 3-4 kg. L'autre, il devait faire dans les 200-300 grammes. Ah, je suis fier de moi. Il doit faire dans les 3, on va dire 3-4 kilos. Il est bien plein.
Allez, on se retrouve pour un autre silure. Je crois que j'en ai un autre. Je crois que j'en ai un autre qui a l'air bien plus gros bâtard. Ah non, c'est bon, c'est un petit. C'est la débandade des silures. On va le chercher au bord avec le gant. Ah, moi, c'est un plus gros que je veux. Oh, scheiße. Et 2-3. C'est encore un petit de 50 cm. J'ai un tout petit truc. Attends. Ah bah je me suis fait bouffer. Ah non, c'est encore un petit. Où il est beau celui-là. Oh, il a une belle couleur. Mais il n'y a que du petit ici, j'ai l'impression. Mon coco, tu l'as où? Et voilà, un autre petit silure. Le cinquième, sixième aujourd'hui. Bon, je vais risquer, je risque de me couper comme ça. Et voilà, c'était le sixième beau silure. Oh putain! Oh, celui-là est nerveux. C'est un petit, mais il est très nerveux. Ouais, ouais. Je croyais que c'était une truite, vu comme c'était nerveux. Putain. Ah, mais il est vraiment petit celui-là. C'est un petit 40 cm je pense.